ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه rapporté par البخاري ومسلم où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se refuse à tendre la main verra Allah le contenter. Quiconque préfère se passer des gens verra Allah l'enrichir. Et quiconque s'efforce de faire preuve d'endurance et de patience verra Allah lui accorder la patience. Et aucun don n'est meilleur ni plus précieux que la patience. Donc ce hadith aussi, comme vous le voyez, est un conseil énorme, d'une valeur inestimable, prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle à des qualités nobles qui font d'une personne qu'elle atteint la haute moralité. Aimer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est respectable auprès des gens. Car effectivement, celui qui se refuse à tendre la main aux autres, à demander aux gens, pour garder son honneur intact, pour apprendre à s'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette personne, elle sera aimée des gens, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne qui est venue lui demander: indique-moi une œuvre que si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Il lui a dit: désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Donc la personne qui se désintéresse de ce que les gens possèdent, qui ne tend pas la main, qui préfère préserver son honneur, quitte à subir des difficultés, alors Allah subhanahu wa ta'ala va le contenter et va lui préserver son honneur et va l'enrichir, car il a appris à se passer des gens et à ne compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala, à placer sa confiance totale en Allah seul. Celui qui met sa confiance totale en Allah, Allah lui suffit subhanahu wa ta'ala. Donc plus la personne apprend à ne pas tendre la main, à se passer des autres, plus elle va apprendre à s'en remettre à Allah, demander à Allah, implorer à Allah et à placer sa confiance en Allah. Et vice versa, plus la personne demande aux gens, tend la main, n'apprend pas à se passer des gens, et moins sa confiance en Allah Ta'ala sera forte, et moins il adorera Allah correctement pour lui demander de l'aider et de lui faciliter ses situations. Donc, le croyant a cette qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait. Il disait: Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Oh Allah, je te demande de m'accorder la droiture, la piété, le contentement et la richesse. Cette richesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah, le fait d'être satisfait et préservé dans son honneur, de se contenter de ce qu'Allah a destiné et a décrété. Cette richesse, ce n'est pas la richesse en or ou en argent, c'est la richesse du cœur. C'est la richesse de l'âme. Celui qui a cette richesse, il se passe de tout. Il se suffit de ce qu'il a. Il est satisfait de ce qu'Allah lui a octroyé. Alors que l'on trouve combien de personnes qui en apparence sont riches, mais ils sont les plus pauvres des gens. Car en réalité, ils sont nécessiteux. Ils ont des besoins. Ils ne cessent d'en vouloir plus. Ils sont pauvres de l'âme. Ils sont pauvres du cœur. Et rien ne les satisfait. Quoi qu'ils puissent avoir, ils en veulent toujours plus. Et cela ne comble pas ce manque qu'ils ont. Car ce manque qu'ils ont n'est pas un manque matériel qui peut se combler avec l'argent, qui peut se combler avec les biens,
ni même avec des sentiments ou des relations ou je ne sais quoi. Ce manque-là, c'est la richesse du cœur. Cette richesse-là, elle emplit le cœur du croyant qui place sa confiance totale en Allah, qui croit en la destinée d'Allah, qui se plie, qui se soumet à la volonté d'Allah. Alors son cœur est empli de richesse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné, a indiqué vers une qualité qui aide et qui est nécessaire pour l'obéissance d'Allah. Et pour avoir ce contentement et le fait de se passer des gens. Quelle est cette qualité? L'endurance, la patience. Quelqu'un qui ne patiente pas dans l'adversité, dans l'obéissance d'Allah, face aux interdits d'Allah, il ne peut pas se passer des gens. Il ne peut pas éviter de tendre la main, car il n'est pas patient. Dès que le besoin il le touche, il tend la main. Il n'arrive pas à patienter. Et c'est cette patience-là qui lui donne cette richesse d'âme. Et la patience, elle est amère. Mais ses fruits sont doux et suaves. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, l'aumône est une lumière et la patience est briya, les ulama ils disent c'est une lumière accompagnée de chaleur. Donc ça brûle, elle n'est pas facilement supportable. Donc oui, c'est une lumière qui t'illumine dans ta vie, mais cette lumière elle est accompagnée de chaleur. Imagine-toi que tu devrais tenir une lampe très chaude dont tu as besoin dans le noir. Ou tu la tiens et elle te brûle un peu la main et tu vois où tu vas, ou tu la lâches, elle te brûle pas, effectivement elle te brûle pas, mais tu te perds. Voilà la patience. Au début c'est amer, mais ses fruits sont suaves et doux. C'est pour ça le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui s'efforce à patienter, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à patienter. Et cela montre une chose essentielle, que dans la religion, rien ne s'obtient sans effort. Comme il est venu dans un autre hadith, la science ne vient qu'en apprenant, et l'indulgence ne vient qu'en se forçant à être indulgent. Et la patience, comme on voit ici, ne vient qu'en se forçant à être patient. Celui qui fait l'effort, donne son possible pour être patient, Allah Ta'ala le fera patienter. Les savants expliquent la patience de cette manière-là. Le fait de retenir son âme dans trois choses ou envers trois choses. Premièrement, la retenir pour qu'elle soit endurante dans l'obéissance d'Allah. Deuxièmement, la retenir face aux interdictions, quand elle est appelée à commettre un interdit. Quand quelqu'un vient et veut colporter ou médire sur ton frère, et ton âme bestiale, elle veut écouter. Mais toi, tu l'empêches, tu patientes face à cet interdit. Tu prends le dessus. Quand tu as vu un secret qui ne doit pas être divulgué, et ton âme malade, elle veut divulguer ce secret, tu la forces à patienter. Quand tu es dans la rue, et que tu entends les pas, et tu sais que c'est une femme qui passe, et ton âme, elle dit, lève les yeux, tu la forces à garder les yeux baissés. La patience face aux interdits. Le troisième, c'est la patience face à la destinée d'Allah qui peut être douloureuse, face aux adversités de la vie qu'Allah Ta'ala peut destiner à certains êtres humains. La maladie, les difficultés, les pertes des proches, des biens, toutes les épreuves. Donc voilà la patience. Et la patience, elle a des degrés. Le plus bas degré, c'est de ne rien dire, ni penser, ni commettre qui est en contradiction avec la législation d'Allah. Quand on est face à cette épreuve, par exemple. Même si dans le cœur, on n'aime pas cette épreuve qui nous a touchés. Mais, on n'a pas une mauvaise pensée d'Allah. La personne, elle ne se dit pas qu'elle ne mérite pas ça, ou qu'il a été touché injustement par cela, ou il porte de la rancœur envers Allah Ta'ala, ou bien il se frappe les joues, ou bien il casse les choses, ou il déchire tout, ou il insulte le monde, il insulte tout le monde. Celui qui fait ça, il n'est pas patient. Il n'a même pas le plus bas degré de la patience, mais il est pécheur. Et ce péché, il peut même aller jusqu'à la mécréance majeure. Ceux qui, quand ils sont énervés parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, il insulte l'islam. Il insulte Allah. Donc il a tout perdu. Puis il y a des degrés plus hauts que le simple fait de patienter. Déjà, qui est le minimum obligatoire, le fait de patienter. Qui font partie de la patience, mais dans la patience, il y a trois degrés. Le plus bas degré, c'est de, même si dans le cœur, au fond de nous-mêmes, on n'aime pas ce mal qui nous a touchés,
mais on ne fait rien, ni on ne dit, ni on ne fait, ni on ne pense quelque chose qui est contradictoire à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus bas degré de la patience. Et cette personne, elle est considérée parmi les patients. Mais il y a un degré supérieur. La satisfaction. La personne, il est satisfait de ce qu'Allah lui a décrété. Ça veut dire que avant que ce malheur l'ait touché et après, ça n'a rien changé pour lui. Il ne déteste pas ce malheur qui l'a touché. Justement, il le voit comme un bienfait. Non. Et celui-là, il gagne la satisfaction d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est satisfait, alors Allah sera satisfait de lui. Et il y a un degré encore plus haut que celui-ci, qui est le fait de louer Allah et de le remercier quand un malheur nous touche. Et ceci était l'état du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il voyait une chose qu'il détestait, qu'il n'aimait pas, il disait « Alhamdulillah ala kulli hal ». Nous louons Allah dans toutes les situations. C'est-à-dire, même dans les pires des situations, il dit « Alhamdulillah ». Car il sait avec certitude que ce qu'Allah lui a préparé comme récompense pour ce malheur est beaucoup plus grand que ce qu'il lui a pris à ce moment-là. Donc il remercie Allah, il loue Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Personne n'a reçu de don meilleur et plus précieux que la patience. » Car la patience, c'est celle qui aide la personne à faire toujours les bons choix, à s'éloigner des erreurs, à rester constant dans l'obéissance, à s'éloigner des interdits, à se comporter d'une bonne manière au moment des épreuves. Tout ceci est par cette qualité, la patience, le sabr. Et en réalité, certains savants disent, l'être humain, s'il veut réussir, il a besoin de deux qualités. La patience et la reconnaissance. Quand il est touché par un malheur, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Et quand il est touché par un bienfait, il est reconnaissant envers Allah et c'est un bien pour lui. La reconnaissance et la patience. Et ceci, on le retrouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suhayb ibn Sinan. Le cas du croyant est vraiment étonnant car son cas ne comporte pour lui que du bien. Et ceci n'est que pour le croyant. Quand il est touché par un bienfait, il est reconnaissant envers Allah et c'est un bien pour lui. Quand il est touché par un malheur, il patiente et c'est un bien pour lui. C'est pour ça, on voit Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab qui invoque Allah Ta'ala face de toi ou de nous au moment des bienfaits parmi les reconnaissants et au moment des malheurs parmi les patients. Celui qui est réuni entre ces deux qualités, Alhamdulillah, il a réuni tout le bien. Car en réalité, l'être humain, dans ce monde, il ne sort pas d'une de ces deux obligations. Ou bien il a été comblé d'un bienfait pour lequel il doit être reconnaissant, ou bien il a été touché par un malheur pour lequel il doit être patient. Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question, c'est très bien. Alhamdulillah. Y a-t-il une récompense spéciale pour ceux qui sont éprouvés par la maladie? Il y a des hadiths sur certaines maladies, mais il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en général, le croyant n'est pas touché par une maladie ou par un mal ou par un souci ou par une peine ou même une épine qui le touche sans que ce soit une partie de ses péchés qui soit effacée. Donc, alhamdulillah, celui qui patiente et qui est reconnaissant envers Allah tabarak wa ta'ala, qui est patient dans cette maladie, il verra ses péchés pardonnés. Et il sera, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, parmi les gens qui se réjouiront de cette situation. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wa qul rabbi zidni ilma.